Saisissez votre doudou de réconfort, les gens, on va en avoir besoin. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. À la fin de ma vidéo sur Negative Chainsaw so Age, j'avais tiré le film Nightmare Detective de Tsukamoto Shinya, qui devait donc être le prochain film dont je vous parlerai. Et comme j'avais déjà en fait écrit dessus, parce que je l'avais déjà vu, je suis allée relire mon avis sur la question. J'ai hésité parce que je voulais pas m'influencer toute seule. Mais ma curiosité l'a emporté. Dans ce poste, notamment, je disais vouloir regarder la suite de Nightmare Detective et aussi d'autres films de ce réalisateur pour mieux comprendre son œuvre. J'ai fait aucun des deux, pas parce que je pensais pas sincèrement ce que j'écrivais, mais parce que je suis incroyablement volage dans la vie et donc euh, je me suis laissé distraire. Mais cette fois, je me suis dit que j'allais faire les choses bien et commencer par regarder d'autres films de Tsukamoto Shinya avant de regarder Nightmare Detective. J'avais prévu Tetsuo, Tokyo Fist et Vital avant Nightmare Detective, et puis un ami a rajouté Boulette Ballet à ma liste. Et après Tetsuo, Tokyo Fist et Boulet Ballet, écoutez, j'étais en gros amoureuse de ce que je venais de voir. Donc j'ai décidé de revenir en arrière, de reprendre au début, et cette fois d'avoir une approche plus complétiste. C'est de là qu'est née l'envie de faire une série de vidéos sur les films de Tsukamoto Shinya. Au passage, si j'attends d'avoir fait une vidéo sur Nightmare Detective pour choisir un, un prochain DVD, Ma pile ne réduira jamais, donc à la fin de cette vidéo, je tirerai à nouveau un DVD au sort. Chaque vidéo de cette série va être un peu comme mes journaux de visionnage, finalement, mais avec un thème, et puis aussi face caméra, parce que les coloriages et dessins choupis sur du Tsukamoto Shinya, je sentais bien que c'était pas très raccord. Et à chaque fois, je vais parler de trois ou quatre films dans l'ordre chronologique. Aujourd'hui, ça va être trois donc Phantom of Regular Size, Denshu Kozonoboken Boken et Tetsuo. Après ça, je vais aussi discuter de deux autres films mais pas de Tsukamoto Shinya, de Fujiwara Kei, et je vous expliquerai pourquoi à ce moment-là. Niveau spoiler, je ne compte spoiler ni la fin des films, ni la plupart de leurs rebondissements, mais je vais donner une bonne idée de leur direction quand même. S'il y a de gros spoilers, c'est-à-dire que je veux vraiment évoquer, ils seront cantonnés à des sections que vous pourrez sauter facilement. Il y a juste dans la partie sur Phantom of Regular Size où je vais dévoiler quelque chose qui se déroule aux deux tiers du court métrage, parce que ça va être en gros spoilé par les trigger warnings de toute façon et que le court-métrage ne se vend pas exactement sur son intrigue. Et en parlant de trigger warning, il y en a de sévères donc je vais vous donner tous les avertissements maintenant euh, histoire que vous puissiez euh, décider de sauter la vidéo si vous avez envie essentiellement et je les redonnerai également avant chaque section pour que vous sachiez à quoi vous attendre avec chaque film si vous décidez de les regarder. Donc pour Phantom of Regular Size, féminicide et un viol filmé de façon pas exactement réaliste mais néanmoins explicite. Pour Denshu Kozono Boken, viol et pédophilie, l'actrice a 30 ans et fait 30 ans, mais le personnage est mineur. Pour Tetsuo, gore, sexe et tentative de viol, pour organes, mutilation, agression sexuelle sur adultes et mineurs, sous-entendu incestueux, violence domestique et maltraitance d'enfants. Et pour Id, gore, maltraitance d'enfants, violence domestique, transphobie, inceste, psychophobie et tentative de viol sur personnages mineurs, interprétés par un adulte, encore une fois, mais personnage mineur. Comme vous pouvez le constater ça fait beaucoup, j'avais même hésité à dire les mots tout haut pour être honnête parce que j'ai vu dans plusieurs vidéos que de, de gens que je suis qu'en fait ils mettent les mots à l'écran mais ils les lisent pas parce qu'apparemment c'est pas bon pour, pour la monétisation mais ça je m'en fous, mais aussi la, le référencement. D'un autre côté quand c'est juste à l'écran je me demande toujours comment font les personnes malvoyantes ou non-voyantes ou les personnes qui pour une raison ou pour une autre ne peuvent pas lire ce qu'il y a à l'écran donc je me suis dit que tant pis j'allais lire la liste et puis voilà. Alors, moi, bien sûr, j'ai pas l'intention de montrer quoi que ce soit de très graphique hein, dans mes vidéos, et puis je vais pas non plus partir dans des descriptions détaillées, mais quand même, soyez prévenus si jamais à un moment donné vous décidez de regarder les films. Sur ce, je pense que vous savez tout, donc on peut y aller. Phantom of Regular Size. Rappel d'avertissement pour ce court métrage. Il contient un féminicide et un viol filmés de façon pas tout à fait réaliste mais néanmoins explicite. Dans ce film, un salariman qui se sent de plus en plus à l'étroit dans sa vie voit son corps se transformer progressivement en métal. Phantom of Regular Size ou Futsu Saizu no Kaijin dans sa langue originale est sorti en 1986 et je sais pas si j'aurais traduit le titre comme ça parce qu'en fait, Kaijin ça se réfère plutôt à des monstres mais Humanoïne mais bien tangible, pas des spectres, pensez à tous les monstres qu'on peut voir dans des séries genre Super Sentai, Kamen Rider ou Ultraman. Et l'idée de ce titre, donc monstre de taille normale qui honnêtement me faisait rire à la base, c'est de créer un monstre mais à échelle humaine dans notre monde ordinaire, comme l'explique Tom Mess dans son commentaire, alors pas sur ce film, mais sur Denshoku no Noboken. Ce qui est un bon moment pour vous dire que ma source pour beaucoup de ces films va être ce coffret Blu-ray de la maison d'édition Arrow, qui vient avec. Euh, donc, pour chaque film, il y a un commentaire de Tom Mess, qui est un spécialiste du cinéma japonais, et de Tsukamoto Shinya. Ça va être ma source principale d'informations factuelles, et j'aurais aussi adoré acheter son livre. J'avais vraiment envie de le lire, mais je ne l'ai pas trouvé à moins de 150 euros, donc euh, tant pis. Phantom n'est pas dans ce coffret, cela dit. Phantom n'est sur aucun DVD, même a priori, et j'ai dû le regarder sur YouTube, parce que, apparemment, il ne peut pas être commercialisé, parce que. Alors, c'était pas un film censé être projeté. Tsukamoto Shinya avait abandonné à ce stade l'idée de faire des films, en tout cas pendant un temps, histoire de satisfaire sa famille. Et donc, il était devenu employé de bureau dans une agence de publicité lorsqu'il a décidé de revenir au film. Et histoire de se dérouiller un peu, il a filmé Fantôme avec une troupe de théâtre à laquelle il appartenait. L'idée étant de s'étirer et de tester des techniques, des idées, le tout en utilisant des musiques qui n'étaient pas libres de droits et il n'avait pas les droits non plus. Donc, le film n'a pas pu être inclus dans le coffret, et c'est dommage parce que c'est vraiment un proto-Tetsuo pour le coup. Le cast est le même, donc on a Tomoro Taguchi dans le rôle du salariman, aliéné par la vie et qui se transforme progressivement, Fujiwara Kei dans le rôle de sa petite amie, Kana Okanobu dans le rôle de la femme croisée au hasard et qui essaie de le tuer, et Tsukamoto Shinya dans le rôle de l'homme amoureux du métal et qui veut le pervertir. L'histoire a été étendue et modifiée pour Tetsuo, mais les grandes lignes sont les mêmes. Et regarder Fantôme donne vraiment le sentiment de regarder un premier jet de Tetsuo. Au point que pendant un temps j'ai même un peu regretté de ne pas avoir vu ce film en premier parce que quand on a vu Tetsuo c'est quasiment impossible en fait de regarder Fantôme sans le comparer constamment à ce qu'il allait devenir et donc je ne saurais jamais comment je l'aurais vécu, comment j'aurais réagi si je l'avais vu sans contexte. D'un autre côté je pense que mon ordre de visionnage n'était pas une mauvaise idée parce que si j'avais commencé par Phantom et surtout Denshoko Sono Boken, je sais pas si je serais parti avec une image aussi positive avec un sentiment aussi positif vis-à-vis -vis du cinéma de Tsukamoto Shinya, mais là je sais où on va et ça aide. En tout cas, j'ai été intéressé par mon visionnage de Phantom, c'est très expérimental parce que littéralement Tsukamoto Shinya tente des trucs pour voir euh, ce qu'il peut faire, ce qui fonctionne, ce qui lui plaît aussi, je suppose. Donc on y trouve euh, des caractéristiques de, de son style ou au moins de l'aperçu que j'en ai eu jusque-là, le montage frénétique, la caméra qui tremble parfois, les scènes de course-poursuite ou qui sont réalisées en fait en une sorte de montage photo hyper rapide et puis aussi l'utilisation très expressive du corps des acteurs. Je me rappelle d'ailleurs que dans Nightmare Detective, il y avait déjà un truc comme ça parce que le tueur pratiquait un art martial, je sais plus exactement lequel mais il en faisait démonstration une ou deux fois et puis dans Tokyo Fist, le personnage masculin principal se met à la boxe et l'héroïne transforme son corps pour se le réapproprier. Tsukamoto Shinya a l'air très intéressé par le corps humain, ses mouvements, ce qu'il peut exprimer, et après tout, Phantom et Tetsuo sont des films qui usent d'horreur corporelle et dans lesquels la vie du personnage principal le transforme dans, dans sa chair en la rendant métal. Phantom est intéressant visuellement et il y a plusieurs séquences que j'aime tout particulièrement. Par exemple, il y a la séquence du train où le salaryman attend le métro, ou surtout en fait il les laisse passer. Et entre chaque train qui passe, on l'observe tourner en rond sur la plateforme dans une séquence qui évoque vraiment le mal-être. Elle est d'ailleurs introduite par un plan que j'aime beaucoup où le salariman nous est montré devant une affiche publicitaire et sa silhouette sombre se détache du poster parce qu'il est très clair et sur le poster il y a des jeunes hommes qui sont en habits blancs et le film souligne le contraste entre une jeunesse qu'on représente pleine d'espoir et l'adulte réel et abattu par la vie qui n'a plus devant lui que crise existentielle et métro pour l'emmener au boulot. L'usage du son est intéressant aussi dans cette séquence. Dans l'introduction devant le poster, on entend un cœur qui bat, puis le bruit est interrompu par le vacarme rapide du train qui passe, puis on alterne entre d'un côté les trains qui passent dans des crissements très désagréables et les images du salariman sur le quai dans un silence complet. Les bruits du train semblent remplacer ceux du cœur comme donnant une nouvelle cadence au personnage, une vie qui n'en est pas une, tandis que le salariman reste sur le quai, le son complètement coupé et sans même un bruit de fond. Comme s'il avait été mis, vous savez, en mode muet, si bien que personne n'entend sa détresse. J'aime aussi le moment teinté de rouge où on voit le salariman réellement péter un câble grâce au visage très expressif de Tomoro Taguchi et aussi au montage qui entrecoupe les plans de son visage de plans de la ville qui se succèdent super rapidement comme si c'était la, la ville qui avait porté réellement le dernier coup à sa, à sa santé mentale. Et d'un coup, bam, on passe au bleu avec des images superposées de sa petite amie qui danse et de lui allongé sur les genoux de sa petite amie. La danse est lente, la scène est bleue, calme, ça tranche vraiment avec la frénésie rouge de la séquence précédente. Et la musique aussi passe d'une musique industrielle rapide à quelque chose de plus planant. Et donc immédiatement, on ressent que cette femme est un refuge pour le personnage principal. Ce qui va bien sûr rendre la suite assez triste parce que... Le type se transforme progressivement en métal et ça se passe pas euh, particulièrement bien. Et là, je trouve qu'on a un exemple de comment Tetsuo améliore Fantôme, parce que dans Fantôme, le personnage de Fujiwara Kei est vraiment limité. Elle est juste une présence dans la vie du protagoniste et elle a très peu de liberté de mouvement ou de contrôle sur son propre destin. Elle est essentiellement là pour nous montrer ce qu'elle représente pour le Salaryman, puis pour être agressée sexuellement par un type qui, à ce stade, un pénis rotatif en métal, donc vous vous doutez qu'elle n'en réchappe pas. Ce qui arrive au personnage est mémorable, parce que c'est violent, mais le personnage lui-même n'est pas très épais, elle n'est que le réceptacle de la violence, alors que dans Tetsuo, c'est plus le cas du tout, et j'en reparlerai le moment venu, mais. Tous les personnages, de toute façon, euh, sont plus développés dans Tetsuo. L'exception, c'est peut-être le salariman à la limite, parce qu'il est au cœur des deux films, et donc on saisit déjà assez bien le personnage dans Phantom. Mais globalement, dans Tetsuo, pour moi, tous les personnages semblent plus intéressants et mieux développés. Tetsuo semble également mieux produit. Pas qu'il ait un budget faramineux de blockbuster, hein, et il a aussi été tourné dans l'appartement de Fujiwara Kei. Mais malgré tout ça, ça fait bien moins film amateur entre potes que, que Phantom. Et une des grosses différences aussi, et je suppose que c'est le résultat de tout le reste, c'est que j'ai ressenti Tetsuo, fantôme est intéressant, et j'y ai reconnu les sentiments d'aliénation, d'impasse, de craquage et de désespoir que le film voulait illustrer, je pense, mais je les ai pas ressentis, juste identifiés, Tetsuo a eu un impact plus intérieur pour moi. Néanmoins, regarder fantôme après avoir vu Tetsuo, c'était intéressant, en revanche, je ne peux pas dire que j'ai été passionné par Kozono Boken. Denshukozo no Boken ou no les aventures du garçon au poteau électrique est sorti en 1987 donc un an après fantôme et celui-là pour le coup j'ai vraiment dû me forcer pour le terminer avertissement pour ce film viol et pédophilie théorique en tout cas dans le sens où aucun acteur n'a moins de 27 ans il y en a juste un où j'ai pas pu vérifier mais il est pas concerné par cette partie de l'histoire donc en clair ce que j'essaie de dire c'est que aucun mineur n'a été exploité pour ce film, mais que le trigger warning est là parce que le personnage est mineur. Dedans, un garçon est régulièrement martyrisé par ses camarades de classe parce qu'il a un poteau électrique qui lui pousse dans le dos, ce qui est plutôt pas commun mais heureusement il peut compter sur l'aide de son ami Momo pour le protéger. Un jour, grâce à une machine à voyager dans le temps qu'il a inventée lui même, il voyage dans le futur où le monde est dominé par une milice vampire qui veut plonger la planète dans la nuit donc finalement une histoire assez ordinaire. Le film est l'adaptation d'une pièce de théâtre que Tsukamoto Shinya et ses acolytes avaient déjà joué plusieurs fois et donc euh, on y retrouve des têtes connues les mêmes acteurs en fait que dans Phantom et euh, Tetsuo en plus de Nsemba qui joue le protagoniste. On y retrouve non seulement des visages familiers du reste, mais aussi des lieux, des accessoires, comme le robot de Fantôme et aussi l'appartement de Fujiwara Kei, ce qui est plutôt sympa, je suppose. Et je vais tâcher de lister quelques trucs que j'ai appréciés dans no Boken. Déjà, c'est une histoire de vilain petit canard, c'est-à-dire que notre héros est rejeté pour sa différence, mais dès qu'il arrive dans le futur, il apprend que il est la personne qui doit sauver le monde, et c'est précisément sa différence qui fait de lui un héros. Il n'a jamais été un vilain petit canard, il a toujours été un cygne avec un poteau dans le dos. Ce qui est très bien, et j'aime même bien aussi l'idée qu'on lui installe une lumière au bout du poteau, si bien que la lumière d'espoir qu'il représente devient une, littéralement une lumière. Aussi on retrouve l'attirance de Tsukamoto Shinya pour l'idée de fusion de chair et métal, avec donc ce poteau qui pousse hors du corps du héros, et ici c'est présenté sous un genre plus positif que dans Phantom et Tetsuo. Du coup c'est intéressant, parce que c'est intéressant de voir une idée similaire mais jouée sur un ton différent. Aussi il y a des moments hein, amusants, par exemple un montage d'entraînement à la Rocky mais avec un personnage qui a un poteau dans le dos, donc forcément c'est fait de façon euh, pas très conventionnelle. Ou bien il y a ce running gag où chaque fois qu'il s'incline pour s'excuser il frappe quelqu'un euh, avec son poteau sans faire gaffe, si bien que des fois il conne des ennemis mais sans faire exprès. Et bon voilà, je dirais pas que c'est à mourir de rire, mais il y a des moments qui, qui, qui m'ont fait sourire, ou au moins qui m'ont un minimum amusé. Par ailleurs, le film est partiellement une romance et elle a quelque chose d'un peu touchant dans son innocence. En particulier, j'aime bien l'image de fin, que je vais évidemment pas vous spoiler, mais qui est niaise, à souhait et un peu ridicule, mais à la fois ça semble fait avec tellement de sincérité que ça en redevient attachant. Et enfin, j'aime bien le personnage féminin principal. Il y a un petit côté Trinity dans le sens où elle connaît mieux la situation et semble avoir à être plus qualifiée que le protagoniste, mais doit lui servir de mentor et guide pour que ce soit lui qui sauve le monde. Mais le personnage est sympa et émouvant dans son espoir endurant et sa loyauté. Mais j'ai pas été touchée de fou parce que euh, j'étais pas dans les bonnes conditions, j'étais simplement pas dans le film. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé Tenchu Kozo ne me frappe pas comme étant un, un film particulièrement profond. Je dis pas qu'il n'y a rien à observer, en particulier dans le contexte de la filmographie de Tsukamoto Shinya, parce que le style est toujours hyper identifiable, on risque pas de penser qu'il a été réalisé par qui que ce soit d'autre. Et puis, on peut aussi tirer des thèmes du film intéressants, comme par exemple celui d'adultes qui foirent le futur et exploitent des gosses pour, pour leur guerre, que ce soit du côté des méchants qui cannibalisent une enfant pour en faire une arme, ou même du côté des gentils qui, bien sûr, sont bien intentionnés, et puis bah le héros, c'est l'élu, c'est comme ça. Mais il reste qu'il foutent le sort de l'humanité et du monde dans les mains d'un gamin qui découvre tout juste l'état de, de la planète. Mais je pense que le but principal du film, c'est avant tout de divertir, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose, hein. je suis très favorable au film de divertissement, mais juste, en l'occurrence, ça me correspondait pas, j'étais pas très divertie, et donc bah, j'ai commencé à trouver le temps un petit peu long. Même si, oui, effectivement, c'est une étape dans l'évolution de Tsukamoto Shinya en, en tant qu'auteur, on retrouve son style, on voit aussi ses personnages féminins commencer a évolué un petit peu avec celui adulte de Kanao Kanobu qui prend une place importante et cruciale dans l'histoire. Bon, à côté de ça, on a quand même aussi le personnage de Fujiwara Kei qui, pour le coup, est majoritairement passive, et je me dois également donc de vous prévenir qu'elle joue une adolescente et très fétichisée avec son tuyau dans la gorge et ses gémissements, même si ça m'a pris un petit temps en fait de pour capter qu'elle était censée avoir 15 ans, parce que donc l'idée c'est que le Shinsengumi vampire se sert d'elle comme batterie pour leur machine, donc c'est encore un cas de fusion de chair et de métal. Et les vampires attendent qu'elle soit mature, adulte, pour pouvoir véritablement construire leur bombe. Et en fait, au tout début, j'avais pas capté. Je croyais que ce qui les rendait nerveux, c'était qu'elle était justement adulte et qu'elle aurait dû être prête depuis ses 15 ans, mais qu'elle ne l'était pas, et que donc ça commençait à les angoisser un peu, parce qu'ils disaient Merde, quand est-ce qu'on va pouvoir faire notre plan parce qu'en en fait, Fujiwara Kai avait 30 ans, elle fait 30 ans, et il n'y a aucune tentative de la faire sembler plus jeune. Genre Kanaoka Nobu qui avait euh, 28 ans à l'époque, et qui joue aussi euh, par certains endroits NDCN, elle, le film la fait sembler plus jeune, via la coupe de cheveux, le... les costumes, mais Fujiwara Kai a pas cet effort-là de fait, donc au début j'ai compris complètement de travers. Bon, après c'est clarifié, donc j'ai capté, et honnêtement ça me va assez bien qu'il ait laissé paraître sa trentaine, parce que je... Comprends que le fait que le personnage soit une enfant fait partie de l'horreur de la situation et que les vampires corrompent et pervertissent l'innocence. Mais vu le caractère sexuel du procédé et de sa présentation, c'est pas une situation dans laquelle j'avais spécialement envie de voir une adolescente. Et je vous avoue que après Phantom et Kozo j'étais contente aussi de d'avoir vu certains futurs films de Tsukamoto Shinya et de savoir que ces personnages féminins allaient continuer d'évoluer. Bref, j'ai pas accroché à Denshokuzo no Boken. Et il y a des films qui m'atteignent pas et que je peux regarder quand même machinalement parce qu'ils font papier peint en gros, mais c'est pas le genre de Tsukamoto Shinya pour ce que j'ai vu. On peut aimer ou détester ces films, mais pour ce que j'en ai vu, donc jusque-là, ils ne se laissent pas être ignorés. Et Denshu Kozono Boken, ne serait-ce qu'à cause de son montage, est très dans la face du spectateur. Donc quand on n'est pas dedans, c'est un peu l'équivalent d'avoir quelqu'un à côté de toi qui te tapote l'épaule non-stop. T'as juste envie de lui foutre des baffes, même si de temps en temps, entre deux tapotements d'épaule, il te dit un truc qui t'inspire un minimum. Sur ce, passons à Tetsuo, c'est-à-dire quand même la partie centrale de cette vidéo. Tetsuo. Avertissement pour ce film il contient du gore, du sexe, de la violence et une tentative de viol. En 1989, le monde a accueilli deux nouveaux arrivants, ce film, donc Tetsuo, l'homme de fer, et moi, je vous laisse déterminer si c'était bienvenu ou pas. Dans Tetsuo, un homme fétichiste du métal se fait renverser par une voiture, et un salariman enfermé dans son existence voit son corps petit à petit se changer en métal. Tetsuo est le premier film de Tsukamoto Shinya que j'ai regardé dans mon entreprise 2022, parce que, donc, techniquement, j'avais vu Nightmare Detective en premier, donc il y a des années de ça. Mais dans mon projet de Tsukamoto, là actuel, c'est le premier film que, que j'ai regardé et je vous avoue que j'étais assez inquiète. Pas de ne pas aimer le film, parce que bon, ça aurait été con vu que c'était la première étape et que je comptais regarder d'autres après et que j'avais pas envie de commencer sur un échec. Mais je ne craignais pas de ne pas aimer le film. J'avais peur de ne pas le comprendre. J'avais entendu parler du film vaguement une ou deux fois. J'avais vu quelques images ici et là et je m'étais mise en tête que ça allait vraiment, vraiment aller dans l'abstrait. Et j'avais peur de ne simplement pas comprendre et de me sentir bête, mais en fait, en le regardant, j'ai été assez émerveillée par la clarté du film. À ma surprise de mal informé, le film est très facile à saisir et c'est pas parce que j'ai un intellect surdéveloppé. C'est juste que le film est efficace et il est très bon à ce qu'il fait. L'histoire, l'intrigue est, est très simple. Il y a des choses qui s'expliquent plus tard dans le récit, donc on n'a pas toutes les réponses tout de suite. Et puis des fois, on n'a pas toutes les réponses euh, du tout. Mais je savais toujours qui étaient les personnages, ce qui était en train de leur arriver, ce qu'ils voulaient et je me suis jamais sentie perdue dans la trame, ce qui, ce qui était bienvenu. Parfois c'est vrai que je n'identifiais pas pleinement une image à l'écran, il y a quelques plans où j'étais pas super certaine de ce qu'on était en train de montrer, j'identifiais juste vaguement le matériel, donc par exemple dans un plan où on nous montre ce que serait le monde s'il était fait de métal, euh, moi sur le moment j'ai pas capté en fait que c'était ce qu'on était en train de montrer, j'ai juste vu qu'il y avait plein de métal. Et parfois c'est pas que l'image est pas claire, c'est juste que on va nous montrer un détail d'une machine, mais le montage est assez rapide, la caméra tremble un peu, donc on ne sait pas trop à quelle machine le détail est exactement rattaché, mais ça n'a pas d'importance. Déjà, ça ne m'est pas arrivé si souvent, et surtout, même dans les moments où mes yeux, qui en plus sont assez fatigués, euh, n'enregistraient pas pleinement la nature de ce qu'on était en train de leur montrer, je captais le feeling, la sensation, l'ambiance, et le film gardait sa clarté émotionnelle. Et pour ça, la musique joue un rôle particulièrement crucial. Elle a été composée par Ishikawa Chu qui, à partir de là, a bossé sur encore une dizaine de projets de Tsukamoto Shinya et c'était leur première collaboration. La musique, c'est la première chose que j'ai appréciée dans ce film. C'est-à-dire qu'au début, euh, j'étais intriguée par les images à l'écran, euh, voilà, notamment par euh, le fatras de métal où la condensation crée ce sentiment de chaleur poisseuse, de machine qui transpire comme l'être humain qui se mutile dans la jungle métallique. Mais c'est la musique dont je me suis dit pour la première fois eh hey, mais c'est cool ça. Ishikawa Chou donne dans la musique industrielle et la bande son de Tetsuo de façon très appropriée fait très métallique ce qui fonctionne super bien. Et cette musique est hyper importante non seulement pour l'ambiance générale du film mais elle devient peut-être encore plus lors des scènes où le montage s'accélère du moins dans mon ressenti. Parce qu'elle donne un rythme en fait, au montage. Un montage hyper rapide, ça peut facilement devenir épuisant, mais dans mon expérience, on a tendance à l'accepter beaucoup plus facilement dans un clip ou dans une fan vide, par exemple, parce que c'est mis sur de la musique qui guide le spectateur. Et ici, pour moi, il y a vraiment des séquences qui se rapprochent de clips musicaux, notamment la séquence titre, qui est d'ailleurs une de mes scènes favorites de, du film. Au passage, je suis désolée de vous parler de musique sans passer d'extrait. Je trouve ça dommage aussi, mais j'ai peur en fait que ça mette ma vidéo dans le collimateur des ayants droit et de YouTube. Et il y a des gens qui ont des chaînes suffisamment grosses pour se faire entendre par la plateforme en cas de souci. C'est clairement pas mon cas, donc j'essaie d'être prudente, euh, désolée. Et donc pour y revenir, j'adore cette scène. Le contraste noir et blanc prononcé sur le visage de Tomolo Taguchi, pour commencer par là, est superbe et c'est un film qui me plaît énormément à ce niveau-là. Certains plans sont juste hyper satisfaisants. En particulier, je suis très fan de tous les moments où les personnages sont filmés à contre-jour parce que ça accentue vraiment bien leurs silhouettes et que ça donne des images très classes. Mais bon, donc j'adore cette séquence où en flash on se rapproche du visage du Salariman, donc filmé penché avec la fumée derrière histoire de bien accentuer l'oppression générale. La musique sonne comme si des gens tapaient dans des machines avec des barres en fer, elle est agressive et écrasante. Le type est en train de se faire marteler. Puis il se met à bouger dans des mouvements saccadés, comme s'il se prenait des coups de tous les côtés. L'acteur était un chanteur punk, m'a appris Tom Mess, donc il avait l'habitude de bouger sur scène, de donner de, de l'énergie à ses performances, et là ça devient vraiment un atout. C'est pas le seul moment d'ailleurs où les personnages semblent danser, Fujiwara Kei a une scène de danse qui est littéralement une scène de danse, Kanao Kanobu a une scène où elle danse pas vraiment mais elle a quelques mouvements qui lui font penser... Et même la scène où Tomoro Taguchi se store de douleur dans un couloir, pour moi, il y a des mouvements qui ont un feeling très dense, et donc là, on retrouve cette idée où je vous disais que Tsukamoto Shinya a l'air très intéressé par le corps, par ses mouvements, et par donc l'expression corporelle de ses acteurs. Mais donc, Tomoro Taguchi se met à s'agiter dans tous les sens, comme agressé et frappé par la musique, qui, dans le contexte de la scène, semble sortir des machines qu'on nous montre en flash rapide autour de lui et après ça le titre arrive donc en signifiant bien que ce qu'on vient de voir est au cœur du film qui en une scène a parfaitement illustré le sentiment d'aliénation d'un protagoniste attaqué par un environnement industriel qui attaque sa santé mentale et le transforme. Puis on est propulsé dans une scène d'apparence plus calme où le salariman est en train de se raser et j'adore aussi cette transition. On se rapproche de l'œil du protagoniste, on entend un bang, il y a un flash de lumière et bam on est face au miroir avec le salariman qui a un petit mouvement euh, rapide de la tête en arrière, le tout évoquant donc un coup de feu. La séquence titre n'est pas littérale, elle exprime les sentiments du personnage, et on est rebalancé brutalement dans la réalité avec ce personnage dont on suppose qu'il se prépare pour aller bosser, et qui découvre devant sa glace le premier signe que physiquement quelque chose ne va pas, qu'il est en train de changer, et donc que la séquence métaphorique qui exprime son intérieur est en train de se traduire, se manifester dans le monde physique, que l'intérieur est en train de pousser à l'extérieur. Oh, et à la télé aussi, il euh, y a Denshu noboken no Boken. J'avais pas compris la référence la première fois parce que j'ai vu Tetsuo avant Denshu mais en revoyant Tetsuo, donc euh, après avoir vu Denshu j'ai capté la référence, donc yay. En tous les cas, je vais pas vous parler de, du film plan par plan parce que j'en euh, pourrais, mais ce serait long. Et donc voilà, j'adore la séquence titre et la transition vers le Salaryman qui découvre les prémices de sa transformation. Et donc, en parlant de transformation, ok, donc clairement le budget de Tetsuo n'est pas astronomique, et ça se voit. Ça n'empêche pas le film d'être très bon, mais simplement, oui, on voit bien qu'ils n'avaient pas le budget d'un Marvel, hein, et que les effets ont probablement été faits en petite équipe avec ce qu'ils avaient sous la main. Alors bon, pas autant hein, que dans fantôme, hein, mais quand même. Et non seulement je trouve que c'est attachant, mais aussi je trouve que ça rend le film d'autant plus impressionnant parce que c'est super bien foutu. C'est le genre de projet où, juste en regardant le film, t'as pas besoin de making-of pour voir qu'il y a de la sérieuse implication dedans. Même si, apparemment, à la fin, c'était de l'implication à deux. Parce que le tournage a pris longtemps et que l'équipe avait pas beaucoup de moyens. Donc en fait, ils ont tous vécu en rapproché dans le même appart où ils tournaient le film. Et forcément, déjà que faire un film, c'est une expérience stressante, bon, il y avait des tensions quoi. Et à la fin, il n'est plus resté que Tsukamoto Shinya et Tomoro Taguchi qui ont filmé la fin à deux, ce qui explique pourquoi on voit rarement les deux personnages ensemble dans la confrontation finale, parce qu'il fallait bien qu'il y en ait un qui tienne la caméra. Je trouve tout le film visuellement remarquable. Je réitère, cela dit, quand même, que ce film contient des séquences gore. Alors, certes, c'est en noir et blanc, donc on n'a pas le rouge poisseux du sang à l'écran mais je sais pas si ça réduit particulièrement l'impact. Après, vous n'êtes pas pris par surprise, hein, vu que dans la toute première scène du film, on voit déjà un type s'ouvrir la jambe pour y insérer un tronçon en métal, avant de voir sa blessure se retrouver immédiatement infestée et couverte d'asticots. Voilà, je ne montre pas trop de choses parce que je veux traumatiser personne, mais euh, vous soyez prévenus, quoi. En tout cas, oui, et ça fait pas de moi quelqu'un de très original, je trouve le film visuellement remarquable. Les effets, le stop motion, les maquillages, tout le design hyper punk des personnages, c'est beau au bordel. Et le film est efficace et j'en ai vraiment ressenti toute la tragédie. Il y a plusieurs lectures possibles au film, bien entendu. Notamment, le film a une dimension homo-érotique très prononcée, et elle est difficile à louper, la charge sexuelle entre les deux personnages masculins est à couper au couteau, le protagoniste semble à la fois redouter et fantasmer, la pénétration et le phallic est absolument partout. Si bien qu'on peut voir le combat du Salaryman contre sa transformation comme une peur d'accepter une sexualité et un désir non hétéro qui se font de plus en plus pressants et de plus en plus difficiles à contrôler. Sur ce, je vais passer dans une rapide section spoiler à la fois pour Phantom of Regular Size et pour Tetsuo. Donc après je reviendrai à du non-spoiler pour Tetsuo, mais là je vais passer donc en mode spoiler quelque temps, je vous laisse 10 secondes pour aller au timecode que je mettrai quelque part sur l'écran ou pour aller simplement à la section suivante. De l'homo érotisme partout donc, et d'ailleurs dans Phantom, c'est-à-dire notre proto-tetsuo, il y a cette scène où au milieu de l'affrontement final, le protagoniste et l'antagoniste s'arrêtent pour partager un repas à connotation romantique, avant de fusionner dans ce qui ressemble clairement à une séquence d'accouplement, même si bon elle est euh, métaphorique, qui finit sur un orgasme représenté par des étincelles. De base, l'antagoniste explique littéralement au Salariman qu'il avait possédé donc la femme que le salariman a tuée, et que lors du meurtre, qui est une forme de pénétration, dans le sens où le salariman a inséré un couteau dans le corps de la femme, donc lors du meurtre, l'antagoniste dans le corps de la femme a presque atteint l'orgasme, et bref, en clair, c'est pas juste du sous-texte, l'homo-érotisme est partout. Et dans Tetsuo, c'est pareil, avec une fin où le fétichiste et le salariman fusionnent pour devenir une sorte de gros pénis métallique qui va se mettre à déambuler dans les rues de Tokyo avec pour projet de transformer le monde entier en métal. Une fin qui revêt des tons différents selon votre interprétation. Dans tous les cas, il y a clairement quelque chose de comique, parce que. parce qu'il y a un gros pénis métallique qui va semer la terreur dans Tokyo, donc si vous trouvez pas ça drôle, c'est que clairement vous êtes plus mature que moi. Mais à côté de ça, la fin peut être ce que vous en faites. Fusionnez donc le fétichiste et le salariman, ont l'air heureux ensemble, et vous de changer le monde, le fétichiste hurlant que leur amour peut transformer le monde en métal donc potentiellement ouvrir l'esprit des gens à des sexualités non hétéro, et je comprends que ça puisse faire lever un sourcil dans le sens où à nos yeux le salariman et le fétichiste sont monstrueux en tout cas d'apparence. Mais d'un autre côté, le salariman dit qu'il se sent bien un truc qu'on l'aurait certainement jamais entendu dire au début du film. Donc ça va être à vous d'interpréter. Et personnellement, je retiens que au moment de la fusion elle-même, même si les images extérieurement semblent violentes, on a cette séquence où on voit les personnages. Euh flotter, et lier l'un à l'autre dans un moment très serein, qui me fait me dire que le salariman se sent effectivement, euh, effectivement mieux, peu importe son apparence aux yeux du reste du monde. À l'intérieur, il est toujours lui et un lui plus apaisé, plus léger et plus heureux. Maintenant, il y a moyen quand même d'interpréter la fin de façon plus pessimiste. Si on décide que le fétichiste et le métal qu'il fétichise représentent avant tout la culpabilité qui ronge le salariman d'avoir renversé quelqu'un, le poids de sa vie dans une industrie qui le broie et l'automatise et la perte progressive de son humanité, on peut voir dans la fin un abandon à la colère où le salariman se, se rend à la partie de lui qui a envie de détruire le monde qu'il a broyé. En clair, oui, il y a plusieurs lectures et ça ne fait évidemment que rendre le film plus intéressant. On interprète le film d'une façon ou d'une autre, en tout cas, on ne peut pas nier que pendant le film, le salariman galère pas mal. Chaque fois que j'entends parler de Tetsuo, les gens soulèvent Lynch et Cronenberg parmi ses influences, Giger aussi, et c'est vrai qu'en regardant Tetsuo, j'ai particulièrement pensé à La Mouche de Cronenberg. Faut dire que c'est un film auquel je pense souvent, parce que je l'ai vu il y a un bail, mais il m'a énormément marqué. Déjà, il m'avait foutu une frousse pas possible. J'aime l'horreur corporelle. Et ça me terrifie, ce qui est raccord, je suppose, avec mon hypochondrie, vu que je vis ma vie essentiellement avec l'impression d'être en bataille constante contre mon corps et d'attendre juste qu'il se dégrade et me trahisse. Donc l'horreur corporelle, je suis un public rêvé pour ça. Dans Tetsuo, cela dit, ça allait à cause du côté métallique, en fait. Là où dans La Mouche, Jeff Goldblum voit sa chair muter progressivement et ça m'avait vraiment traumatisé. Aussi, ce film m'avait rendu très très triste dans mon souvenir parce que. Plus le personnage se transformait, plus il était isolé et sa relation avec sa petite amie se détériorait. Et j'avais trouvé ça tragique. Dans Tetsuo, on retrouve ce genre de dynamique justement. Et c'est là que j'ai pensé à la mouche et que mon cœur euh, se serrait un petit peu quand même. Certes, les choses allaient déjà mal avant la transformation. Notamment une scène que je trouve particulièrement crève-coeur et qui se trouve après la scène dans la salle de bain où la transformation commence, mais avant que les choses dégénèrent vraiment, donc à un moment où on est quand même encore dans la routine à peu près du protagoniste. C'est la scène où il parle avec sa petite amie au téléphone pendant qu'il lit le journal, et pendant un petit moment, c'est juste une série de allô, allô, qui se répondent, comme s'ils se parlaient, mais qu'au fond, ils avaient rien à se dire, et la vacuité de ce dialogue sans dialogue était déprimante. Le film, c'est-à-dire, a un gros facteur divertissement et des moments rigolos. Hein. Par exemple, lors de la scène de course-poursuite, le pauvre salarié qui n'est pas encore habitué à sa nouvelle façon de se déplacer, se prend plein de murs dans la gueule ou bien il y a la scène où la petite amie euh, mange sa saucisse de façon suggestive avec des bruits de métal superposés, dans une scène qui montre la continuation de la transformation du Salaryman pour qui tout devient métal, mais qui est aussi volontairement grotesque. Aussi des fois quand je voyais ce qui se passait dans le film, j'arrêtais pas de me dire que ça devait être euh, de drôles de jours pour les voisins, ou peut-être pas, notez bien, parce que euh, lorsque le Salaryman se fait courser dans le métro par la femme anonyme qui est possédée par le métal, Personne a l'air de spécialement réagir, ce qui est inquiétant, parce que ça veut dire que soit ça se passe dans la tête du Salaryman, soit que les gens sont complètement indifférents aux mutations de leurs semblables. Mais en fait, moi je pensais pas aux personnages, je pensais aux voisins de l'équipe de tournage, parce qu'il y a des moments, genre sans vous spoiler la fin du tout, il y a un truc dans, dans, les, dans la rue à ce moment-là, qui se passe dans la rue, qu'on voit dans la rue, et j'arrêtais pas de me dire « bordel, si j'étais un voisin de cette équipe, et que j'ouvrais mes volets pour voir ça », euh, ça me ferait un drôle de choc et voilà ça, ça me faisait rire, parce que j'ai un humour de merde. Tetsuo est un film de contraste et de fusion, de gore dégoûtant, mais de beauté dans la mise en scène et dans le noir et blanc, de plaisir qui va avec la douleur, de métal et de chair qui se rejoignent, d'extérieur et d'intérieur qui se mélangent, et puis de comédie et de tragédie, et franchement c'est fascinant et j'ai adoré ce film. Et maintenant j'aimerais parler de Fujiwara Kei. Je réitère que je trouve son personnage bien plus intéressant dans Tetsuo que dans sa proto-version, donc Phantom. Dans Phantom, elle n'a pas réellement de contrôle déjà sur ce qui lui arrive, et pas beaucoup de personnalité non plus, alors que dans Tetsuo le personnage est plus développé que ça. Sans trop expliciter, pour ne pas spoiler, euh, elle fait partie déjà de la backstory au même titre que le Salaryman, et dans ce film elle a aussi plus de personnalité avec sa propre déviance au même titre que le fétichiste du métal, Surtout, elle est bien plus active, elle est complètement maîtresse de ses actions et elle est juste plus complexe. En clair, c'est juste un meilleur personnage. Et aussi, Fujiwara Kei a une présence, euh, vraiment de la présence à l'écran avec son regard super marqué et elle a le visage très expressif, elle a beaucoup de charisme. Par ailleurs, Fujiwara n'est pas juste actrice dans Tetsuo, elle faisait partie donc de la troupe de théâtre et elle avait aussi une vision artistique très prononcée apparemment avec un goût aussi pour la récupération d'objets et le DIY. Au générique de Tetsuo, elle est créditée non seulement en tant qu'actrice, mais aussi en tant que créatrice des costumes et à la cinématographie. C'est également elle et son mari, donc ex-mari désormais donc Nasa Kenji qu'on voit dans Denchukoso, donc ce sont eux qui ont procuré à l'équipe un endroit où tourner et en clair, tout le monde a évidemment eu un rôle crucial dans l'élaboration des films dont j'ai parlé, mais il semble que Fujiwara Kei ait été particulièrement essentiel et contribuer aussi ses propres idées. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que son personnage est bien meilleur dans Tetsuo plutôt que dans Phantom, même si évidemment c'est pas vérifiable parce que je ne sais pas quelle a été l'ampleur de son influence sur le projet. Néanmoins, quand j'ai appris qu'elle était également réalisatrice, je me suis dit qu'il fallait que je regarde ses films, que j'y jette au moins un œil, et on va donc causer de ses films, et donc si vous l'aviez mis de côté, je vous propose de reprendre votre doudou de réconfort et de le serrer encore plus fort qu'avant. Elle n'a écrit et réalisé que deux films, donc Organ, sorti en 1996, et sa suite, Id, sorti en 2005, donc 9 ans plus tard. Et le premier truc que j'ai appris en regardant ces films, c'est que Tsukamoto Shinya, en fait, c'est sage par rapport à Fujiwara Kei. Fujiwara Kei opère à un tout autre niveau de gore et de perversion, et donc je vais mettre, encore une fois, des avertissements avant chaque section, mais je vous préviens direct que ce ne sont clairement pas des films familiaux, à moins bien sûr que... Votre idée d'une bonne soirée en famille, soit de regarder des gens être gavés et vomir, ou de regarder une femme être visiblement très excitée par une chenille qui ressemble plus à un gros ver mutant. Après, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Personnellement, j'étais plutôt ravie de ne pas regarder ça avec mon père et ma petite sœur. Non, plus sérieusement, euh, on va rentrer dans des films plus dérangeants que les précédents. Alors, je suppose que pour des gens habitués aux films de la French Extremity ou des trucs à la Serbian Movie, que personnellement, je n'ai jamais pu terminer ou commencer, parce qu'en fait sa réputation le précède et que j'ai absolument pas l'estomac ou l'intérêt pour, mais bref, donc pour des gens qui sont habitués à ce genre de films, je suppose que les films dont on va parler peuvent sembler petits jeux, mais pour un public entre guillemets ordinaire, je pense qu'ils peuvent être assez difficiles à encaisser. Bref, il y a deux films, Organe et Id, et j'ai apprécié Organe et j'ai eu du mal à finir Id, donc parlons-en. Organe. Avertissement pour ce film violence, mutilation, agression sexuelle sur adultes et mineurs, sous-entendu incestueux, violence domestique et maltraitance d'enfants. Organe commence avec deux flics qui essaient d'arrêter un réseau de trafic d'organes, sauf que ça foire complètement. Un des deux s'échappe, mais l'autre est capturé par le docteur qui prélevait les organes, et après ça, le frère jumeau du flic disparu essaie de le retrouver le partenaire aussi du flic essaie de le retrouver. Et la sœur du préleveur d'organes tâche de protéger ses frangins des Yakuza, qui sont déjà par avis de la tournure qu'a pris les événements, mais aussi de l'attention qu'attirent les disparitions de lycéennes causées par le préleveur d'organes. Je vais pas vous mentir, il y a des moments où c'est un peu confus comme film, c'est-à-dire que c'est peut-être intentionnel, c'est peut-être en fait une façon pour Fujiwara Kei de rajouter à l'aspect cauchemardesque, puisque souvent les cauchemars sont nébuleux et on s'y sent perdu et ça fait partie de l'horreur, mais honnêtement, je pense simplement que Fujiwara Kei est moins intéressée par la clarté du déroulement des événements que par l'imagerie, les thèmes du film et son ambiance, et en matière d'ambiance, elle est très douée. Elle réussit parfaitement à créer une ambiance poisseuse et étouffante où tout le monde a l'air de transpirer en permanence, autant parce qu'il fait super chaud que parce qu'ils sont dans des situations souvent très tendues. Et le film est aussi. Plein d'images visuellement impactantes, alors je dis pas qu'elles sont toutes belles, mais elles sont marquantes. Personnellement, dans les moments qui m'ont le plus interpellé, on va avoir déjà forcément celle qui est sur l'affiche avec la femme qui sort d'une chrysalide et commence à faire joujou suggestif avec une chenille/slash vert géant mutant qui lui sort du bas-ventre, je risque pas de l'oublier celle-là. Pareil pour l'image du policier aux membres sectionnés qui est gardé en vie dans une végétation semble petit à petit cannibaliser son corps. Et dans la catégorie plus sage, j'aime bien ce plan où la caméra se met à tourner en faisant basculer le monde de l'ex-partenaire du flic disparu. La façon en fait dont il est entouré par les bâtiments donne une impression de boîte qui serait retournée par des mains invisibles, et on a vraiment, enfin moi j'ai vraiment le sentiment qu'il va se mettre à tomber. C'est pas d'ailleurs le seul moment du film où la caméra bascule et Fujiwara Kei signe un film avec des visuels qui restent en mémoire, peu de limites à ce qu'elle se permet de montrer, et une bonne maîtrise d'une ambiance qui a l'air de l'intéresser donc plus que la clarté de l'histoire, du moins c'est mon ressenti. Le souci étant que contrairement à quelque chose comme Tetsuo, Organe a en fait pas mal d'intrigues et de personnages, et je vous avoue qu'il y a des moments où euh, les transitions abruptes entre les axes de l'histoire ont fait que je me suis sentie un peu paumée. Alors après c'est vrai, pour être transparente que ça aide pas que des fois j'ai du mal à reconnaître les visages des gens, mais il y a juste quelques moments où j'étais en mode merde, -là « Merde, c'est qui celui-là déjà C'est quoi ses motivations Qu'est-ce qu'il fout là ?» Sincèrement, je pense que, en partie, si l'histoire du préveur d'organes était celle qui m'intéressait le plus, c'était aussi parce que c'était celle où j'étais le plus certaine de savoir exactement ce qui était en train de se passer et qui les personnages étaient. Mais c'était pas la seule raison. Une autre, c'était que, à mon sens... C'était dans cette partie de l'histoire qu'il y avait tous les visuels les plus intéressants du film. Notamment, c'est là qu'on va avoir le symbole du papillon, qui est une image importante pour le film. Le préleveur d'organes, Saeki, fait de la recherche scientifique et est professeur dans un lycée, et dans son bureau, dans la partie euh, publique, hein, pas celle où il garde ses victimes, il y a plein de papillons qu'il a épinglés et encadrés. D'un côté, on peut envisager les personnages principaux comme justement des papillons aux ailes épinglées qui ne peuvent plus voler. Qui soit euh, épinglé par la perte d'un frère, la perte d'un partenaire ou un traumatisme violent. Ou bien, de façon plus littérale, on va avoir le policier auquel le docteur a coupé les bras et les jambes et l'a bloqué physiquement dans un cadre végétal, tout comme il a bloqué les euh, papillons qu'il a épinglés dans des, dans des cadres. En tout cas, que ce soit physique ou psychologique, les personnages sont bloqués avec autant d'épingles dans le corps que de coups durs. Le papillon par ailleurs euh, ne n'est pas papillon, il commence euh, chenille avant de donc faire sa chrysalide dont on a un exemple dans le film Du reste et après ça, il sort papillon même si là pour le coup le film est moins exact, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, organe n'est pas un documentaire animalier au risque d'en décevoir certains. Le papillon est donc symbole de transformation et à l'instar du salariman de Tetsuo, le préleveur d'organes est en proie à une transformation. Son corps étant parasité par une sorte de cancer purulent et verdâtre qui semble s'aggraver au fur et à mesure qu'il prend des décisions et qu'il fait des choses ignobles. Pour puissamment euphémiser, autant vous dire que ça n'a pas l'air fun comme condition et ça qui est un personnage assez pathétique. Ce qui n'annule absolument pas que c'est un monstre, c'est juste que c'est un monstre pathétique qui n'est pas au top de sa forme, qui est au moins de moins en moins au top de sa forme. Et les effets sont pas réalistes, mais dans l'ambiance déjà poisseuse. C'est tout à fait dégueulasse à regarder, ce qui est bien entendu le but. Et pour le coup, ça m'a plus atteinte que l'horreur corporelle de Tetsuo, parce que là, pour le coup, comme le titre le suggère un peu, finalement, on est plus dans la chair, dans l'organique, pas le métal, et je pense que ça a aussi du sens. Dans Tetsuo, je vous parlais d'intérieur qui remonte à la surface, et il y a en effet cette notion d'extérieur de... qui se met à refléter l'intérieur, et l'intérieur, lui, a d'abord été progressivement affecté par l'environnement industriel du personnage. Donc lorsqu'il se change en métal, c'est comme s'il assimilait son environnement, comme s'il devenait une de ces machines qui le torturaient au début du film. Dans Organ, il y a également des causes extérieures hein, à ce qu'est devenu euh, Saeki. Et sans spoiler, elles sont plus liées à la chair, donc là aussi le changement reflète l'origine du mal-être. Mais par ailleurs, le cancer de Saeki réagit à ses choix et est une dégradation intérieure. Du reste, la plupart du temps, on ne sait pas vraiment s'il change effectivement ou si c'est juste... Lui qui se voit changer, et en fait, c'est son âme qu'il sent pourrir et muter. Au passage, j'ai pas trop parlé de Fujiwara Kei en tant qu'actrice dans ce film parce que je savais pas trop comment transitionner vers là, mais euh, elle joue en fait mon personnage favori, celui donc de la sœur de Saeki, qui essaie de protéger ce qui lui reste de famille, et je dis pas que je voulais qu'elle réussisse parce que j'étais bizarrement pas excessivement investie dans la protection du type qui prélevait des organes et tuait des lycéennes, mais Yoko, la sœur donc, a un look qui interpelle tout de suite. Et elle bénéficie une fois de plus aussi du charisme de Fujiwara Kei. C'est un personnage très dur parce que bah, il faut bien l'être hein, pour survivre dans le monde dans lequel elle est. Et elle est violente, impitoyable, et c'était juste. C'était pas le plus développé des personnages, mais chaque fois qu'elle était à l'écran, euh, elle attirait immédiatement mon regard. Dans Organ, surtout, elle signe un film sur la laideur humaine, sur le mal que certaines personnes peuvent infliger à d'autres, sur la façon dont l'âme des coupables moisit, sur aussi. Les conséquences que, que le mal infligé a sur les victimes, et parfois au point qu'elles vont reproduire ce mal qu'on leur a fait, et donc la gaieté est au rendez-vous, comme vous pouvez le constater. Bon, je ne vais pas prétendre que j'ai rien loupé dans le film, et je ne vais pas prétendre non plus qu'il est parfait, hein, parce qu'il y a des passages que j'ai trouvés assez longs, surtout du côté des gens qui cherchent le flic disparu, mais je dois dire que j'ai été assez fasciné par le cauchemar que crée Fujiwara Kei. Et sur ce, je suppose qu'il est temps de parler de Hyde, et ça va aller assez vite, parce que pour être honnête, si j'avais pas voulu faire cette vidéo derrière, je pense que c'est le genre de film que j'aurais pas regardé en entier. ID. Avertissement pour ce film violence, gore, maltraitance d'enfants, violence domestique, tentative de viol sur mineurs, transphobie, inceste et psychophobie. Et puis aussi, comme précédemment établi, ce film est une suite d'organes. Donc cette section sur ID va spoiler la survie d'un personnage d'organes, qui est un film quand même où on s'attend un petit peu à ce que tout le monde meure à la fin, probablement dans d'atroces souffrances. Donc euh, je sais pas si ça compte vraiment comme un spoiler en vrai. Mais bon, au cas où, je vous préviens. Et voilà, je me lance dans 10 secondes. Vous avez 10 secondes pour aller à la conclusion si vous préférez tout sauter. Dans Id, Saeki, donc le collecteur d'organes, s'est enfui, et Amézi, qui se traîne jusque dans un petit village où il est recueilli par une famille d'éleveurs de porcs. Et à partir de là, les choses vont méchamment commencer à se dégrader pour le village, qui de base l'a dit était quand même déjà un peu glauque. Mais là, leurs instincts se libèrent, d'où le titre du film, le euh, Id étant en fait le ça dans la conception freudienne de l'inconscient, du conscient et de la personnalité. C'est connu comme notion, mais donc Freud avançait que... Dans notre psyché, on trouve « das es »,« das ich » et « das über ich », excusez la prononciation, j'ai pas fait d'allemand depuis le collège, mais donc euh, le « ça », le « moi » et le « sur moi ». Le « ça », ce sont les pulsions qui se foutent complètement de la réalité ou des règles sociales. Le « sur moi », justement, est la partie de nous qui a intériorisé les règles sociales et les interdictions morales et qui va donc venir contrer le « ça », et le « moi » est le médiateur qui tâche de trouver des compromis entre le « ça » et le « sur moi », en gros. Donc dans « id », qui est le mot anglais pour « das es », donc le « ça », le surmoi a pris des vacances, le ça euh, le dessus, et le cauchemar s'intensifie encore plus violent, sordide et sale qu'Organe. Parce que ouais, c'était possible. Histoire de lister quelques trucs positifs, j'ai apprécié le découpage en chapitres du film qui lui donne une structure et fait sembler le bordel ambiant plus organisé qu'Organe, si bien que le film est moins dur à suivre, ça veut pas dire que ce qui s'y passe m'a intéressé, mais. Je me sentais moins paumée dedans et je suppose que c'est positif. Et aussi, le look, les looks très distincts des personnages aident pas mal à savoir qui était qui. D'ailleurs, en parlant de personnages, un truc que j'ai trouvé drôle pour le coup, c'est que le euh, serial killer, préleveur d'organes, au début, à cause de son amnésie, paraît être le personnage le plus normal et le moins inquiétant. Et ça avait quelque chose d'amusant, même si c'était bien sûr encore une fois dû à son amnésie. Qui lui laissait une vague chance, alors je dirais pas de rédemption parce qu'il a fait ce qu'il a fait, mais au moins une chance de soigner son âme pour lui-même, puisqu'il ne se souvient pas de ce qu'il a fait. Dans la continuité d'organes aussi, il y a euh, tout un propos sur la laideur de l'humain, et cette fois il n'y a pas de papillons, mais à la place on a des cochons. L'idée semblant être qu'on élève les porcs uniquement pour les manger, on les considère comme des êtres inférieurs. Mais qu'en fait, nous ne valons pas plus ou mieux une fois que nos pulsions sont dévoilées, si bien qu'on pourrait tout autant nourrir les pores de notre chair, voire nous nourrir les uns des autres. Parce que la hiérarchie entre animaux est absurde, n'a pas de sens. La seule différence entre l'homme et les bêtes que semble noter le film, c'est que l'homme peut être sauvé en s'adressant au divin, ce que l'animal ne peut pas faire parce qu'il n'est simplement pas doué de parole, quelque chose dont le film souligne. L'absurdité et l'injustice, tant l'être humain paraît perverti. Et pourtant, le pire être vivant peut-il malgré tout prétendre à partir en paix L'introduction d'organes se demandait si l'espèce humaine était juste naturellement dépravée et vouée à faire le mal, et celle d'Id introduit la question de la salvation pour cette humanité perverse, des thèmes que, en soi, je trouve intéressants. Visuellement, le film est également efficace il rend l'habitat des éleveurs euh, vraiment claustrophobes à souhait et il a une ambiance de. Voyeurisme oppressante avec plusieurs moments où les personnages espionnent d'autres personnages depuis des fenêtres ou via des trous dans les murs. C'est une fois de plus un film qui pue l'inconfort et la sueur, un film dans lequel on, on se sent mal, sale. Et puisque c'est l'idée, puisque l'objectif est atteint, je suppose qu'on peut parler de réussite. En revanche, j'ai été moins convaincu par les transformations corporelles dans ce film-là que par celles d'organes Ici, je trouve qu'il y avait un côté un peu plus... Bouffon, ça marchait pas très bien. Mais surtout, autant Organe m'avait intéressé, autant je dois dire que Hyde pas du tout. Malgré que le film donne une impression plus structurée et que les personnages soient plus distincts, les uns des autres soient plus faciles à identifier, en tout cas visuellement, il y en a aussi plein et aucun que j'ai trouvé développé de façon particulièrement intéressante. C'est bien que même si euh, ces thèmes auraient pu m'accrocher, le film à mes yeux est juste devenu une cacophonie cauchemardesque. Alors, je doute pas qu'il a un public, euh, voilà, enfin un public restreint vu la nature du film, mais bon, c'était vrai pour Organ aussi. Mais donc oui, je suis sûre que le film a un public, un public qui trouve plus d'intérêt que moi au film et à la façon dont il traite de ses thèmes. Je prétends pas que le film ne raconte rien, juste que la façon dont il le raconte ne m'a pas accroché, si bien que j'ai vraiment galéré à le terminer, parce que quitte... À passer une heure et demie de ma vie devant un truc qui me remue pas très profondément, j'aime autant passer 90 minutes à fixer le visage de Hidongu, c'est-à-dire à fixer quelque chose qui m'intéresse au moins esthétiquement, qui au moins me plaise, par la mon moi superficiel. Dans ce film, tout le monde est abject, cruel, violent, malsain, les gens frappent, violent, sont pervers, transphobes, immondes, bref, ils sont le pire de ce qu'on fait en termes d'humains, et c'est le but. Mais c'est pas un truc que j'ai envie de regarder à moins qu'on m'offre une, une bonne raison de le faire. Donc j'ai commencé à vraiment, vraiment galérer et j'ai juste terminé ce film par vague sentiment d'obligation. Bon, clairement, c'était un peu différent de ce dont je parle d'habitude sur cette chaîne, mais j'avais très envie de vous parler des films de Tsukamoto Shinya en particulier. Et euh, maintenant que j'ai bouclé cette première vidéo, je me rends compte aussi que ce format était probablement le bon choix. Parce qu'en fait j'aurais pu faire une vidéo sur chaque film, mais déjà j'avais pas envie de m'embarquer un, dans un projet sur le très long terme. Et ensuite, vraiment les rassembler pour moi ça permet de donner un équilibre euh, s'il y a des films, enfin s'il y a trop de déceptions. Donc là par exemple il est assez clair que j'ai adoré Tetsuo et que j'ai été intéressée par Phantom en tant que proto-Tetsuo et par euh, Organe, mais Id et euh, Id et n'ont pas du tout fonctionné pour moi et je suis contente en fait que dans la vidéo ma négativité à leur égard puisse être contrebalancée par le reste. J'aurais aussi pu traiter de tous les films dans une seule vidéo mais déjà elle aurait été absolument massive et ensuite c'est vrai que j'ai envie d'espacer les visionnages déjà pour pouvoir les digérer et puis aussi parce que pour être honnête mes yeux sont assez fragiles. Le montage de Tsukamoto Shinya peut parfois être assez frénétique et donc je peux pas en regarder tous les soirs, tout simplement. Mais je suis enthousiaste, et la prochaine fois, qui devrait être le mois prochain, même si je ne sais pas encore exactement quand, je parlerai normalement de Goblin, Tetsuo 2 et Tokyo Fist que je vais me faire un plaisir de revoir. Ça peut bien sûr changer, mais a priori c'est le plan, et j'ai hâte de trouver plein de films à aimer. Ok, il est temps de tirer un nouveau DVD au sort, donc cette fois j'ai fait les choses mieux, j'ai fait comme j'avais dit la dernière fois, j'ai fait 4 quatre, euh, quatre, euh, piles donc, Chacune avec 10 DVD et donc au dé j'ai un dé à 10 faces où d'abord je vais tirer une colonne, donc si je fais plus de 4 bah, je retirerai, donc ce sera on va dire 1, 2, 3, 4 et après dans la colonne je tirerai un DVD au sort à nouveau. Donc bah écoutez voilà je vais prendre mon téléphone pour filmer le dé pendant que, pendant que je le lance et j'ai un nouveau téléphone et c'est révolutionnaire, il marche, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un téléphone qui marche. Donc, hop, petit toit. J'ai pas l'habitude, ça m'émerveille toujours d'avoir un téléphone qui fonctionne, je vous le dis. Ok, donc. Voilà, 5. Je l'avais pas. Il ouais, bah, y a 7 très fort. 7. Ouais, bah, il y a 10 faces, hein, donc. 6, euh, 7. 3, 3, donc on avait dit 1, 2, 3, donc c'est celle-là. hop, Les autres. Non, c'est ça que je garde. Casse-toi, toi. Donc, on y va en descendant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est reparti. 10, oui, c'est le 0, c'est le 10 parce qu'il n'y parce que a pas vraiment de 10, ça va de 0 à 9, donc le 0, ça compte pour un 10. Donc, bah c'est facile, c'est celui-là. Et on est parti. Ah, j'avais que je ne voulais pas tout niquer. En même temps, celui-là, il a déjà été réutilisé plein de fois, donc il est peut-être temps de s'en séparer. Allez, on y va à la barbare. C'est parti! Je me sens coupable, je me sens coupable de déchirer comme ça! Et c'est. Waiting in the dark. Donc, Waiting in the dark, j'espère que ça fait le focus comme il faut. C'est un film que j'ai vu il y a longtemps, un film euh, japonais, comme vous pouvez le constater, où c'est l'histoire d'une jeune femme qui est récemment devenue aveugle, il me semble. Peut-être juste malvoyante, mais je, je crois qu'elle qu est non-voyante. Et en fait, un, un type se réfugie chez elle parce qu'il est accusé à tort de quelque chose et il fuit la police et il se réfugie chez elle. Et à partir de là, en fait, il y a une sorte de colocation qui s'installe entre lui qui essaie de ne pas se faire repérer et elle qui sait qu'il est là mais qui fait semblant de ne pas savoir qu'il est là. C'est un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque et euh, je sais pas ce que j'en penserai maintenant, mais écoutez, on, on verra ça donc. Et sur ce les gens, c'est la fin de cette vidéo, du coup je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo à l'ère du métal.